Bonjour, voici le jeu Advanced Squad Leader, plus connu sous le nom de ASL. C'est un jeu pour deux joueurs de Dan Greenwood, édité par la société Avalon Hill en 1985. ASL, c'est avant tout des règles compilées dans ce gros classeur. Il s'agit d'un système de wargame détaillé qui permet de simuler n'importe quelle action de combat terrestre à l'échelle de la compagnie sur n'importe quel théâtre de la Seconde Guerre mondiale. Les éléments de jeu représentent des groupes ou des demi-groupes de combat, des chefs, des équipages, des canons et des véhicules de toutes les nations belligérantes majeures et mineures de la Seconde Guerre mondiale. Les champs de bataille sont représentés par des cartes géomorphiques sur lesquelles les pions sont déplacés. ASL utilise un système de scénarios. Chaque scénario simule une bataille historique. Le principe des plateaux géomorphiques, c'est qu'on peut les mettre dans n'importe quel sens pour faire une infinité de terrains différents. Voici maintenant les pions. Alors un leader ici, donc c'est un seul homme avec un modificateur de chef, c'est moins 1 et le moral de 9. Ici un pion squad qui représente 3 hommes, la puissance de feu, ici 4, la portée normale, ici 6 et le moral dans cet exemple de 7. Un tour d'ASL se déroule en plusieurs phases. La première phase c'est une phase de ralliement qui n'a pas lieu ici car nous avons une mise en place. Ensuite est suivie par la phase de tir d'appui. Donc les Américains vont tirer, ils additionnent leur puissance de feu, il y a un modificateur parce que les Allemands sont dans un building. Donc ils ont 6 et 6, ça fait 12, ils font 7 OD. 7 OD plus 3, ça fait 10, et on croise 10 et 12, et on obtient un contrôle de test de clouage, qui ici se passe très bien, donc il ne se passe rien pour les Allemands. Et on met des pions pour dire que les unités ont tiré déjà, car elles ne pourront plus bouger. Ensuite, les Américains se déplacent, les Allemands passent en tir défensif initial. On regarde, ils obligent à un test de morale, qui est raté d'ailleurs, comme on va le constater. Et donc les Américains vont se retrouver, on retourne le pion, et vont se retrouver du côté démoralisé. On va mettre un pion en plus partout, ce qu'on appelle un marqueur, pour montrer qu'ils sont démoralisés. Et on met un pion pour dire que les Allemands ont tiré. Maintenant, c'est la phase de tir défensif des Allemands, qui tire à demi-puissance, mais ça se remultiplie par deux parce qu'ils sont à bout portant. Il y a un contrôle de morale. Heureusement, ils passent. Il ne se passe rien de plus pour les Américains. Et on retire le pion pour dire qu'ils avaient tiré. Maintenant, c'est la phase de tir d'exploitation. Les unités qui n'avaient pas tiré peuvent, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, on va retirer les marqueurs pour montrer qu'elles avaient tiré. Suivi maintenant de la phase de déroute, c'est-à-dire l'unité démoralisée est obligée de reculer. Normalement, il y a une phase de progression où d'un hexagone, on peut entrer dans les voisins pour un combat rapproché, mais ce n'est pas le cas ici. Si vous avez le temps de vous amuser, il vous reste encore toutes ces boîtes-là, et après, il ne vous manque plus que les petites boîtes pour ranger tous les pions. Bon courage !